Salut tout le monde, c'est Koinski, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la quatrième vidéo de cette série sur Foundation. Je m'amuse beaucoup et j'ai envie de faire une capitale ambitieuse qui va s'étendre plus loin, plus grand que ça en fait sans doute. Notamment le monastère, on va le faire un petit peu plus loin et d'autres structures également. On est parti aujourd'hui pour améliorer certainement la maison du bailli avec un jardin. On verra ça quand on aura débloqué les éléments nécessaires. Mais je vais commencer peut-être cette vidéo par débloquer l'édit de salaire contractuel. On m'a demandé de le faire, ça coûte 100, j'ai les pièces disponibles donc pourquoi pas le faire. Et on va donc dans les édits mettre notre premier qui va nous permettre de diminuer le coût des mandats et également de diminuer la durée pour les lancer. Voilà, et on réussit la quête comme ça. On dégage un petit peu le tableau des quêtes, je pense que c'était bien de le faire. L'argent devrait rentrer un petit peu mieux puisque maintenant on a, on a deux maisons de collecteurs et surtout on produit toute une série de ressources qu'on vend maintenant à nos voisins. On a ouvert les relations commerciales avec les trois villages voisins. Donc ça marche plutôt bien, mais on va essayer de vendre plus de planches. Et le deuxième effet avec ça, c'est qu'on pourra dégager de l'espace de stockage pour le bois pour continuer à couper. On a besoin de dégager encore de l'espace pour nos champs notamment. Donc je vais faire une deuxième série que je vais placer par exemple ici. Elle sera bien. Et on va vendre plus de planches. On va également mettre un vendeur de vêtements ordinaires. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile parce que j'ai pas l'impression que j'ai des niveaux de population qui les consomment pour le moment, mais comme ça c'est déjà fait et on n'oublie pas de le faire. On va continuer à faire monter des maisons de niveau tout doucement et faire monter de la population de niveau, mais ça coûte de l'argent, donc j'aurais bien d'abord prendre un petit peu d'avance au niveau de l'argent dont je dispose. La deuxième série est construite très bien. On va attendre de récupérer des gens. Alors l'immigration est faible parce que le bonheur est assez faible. Je pense qu'on va réduire un petit peu les taxes pour récupérer des gens. Ça va se faire dans les impôts, voilà. Voilà, le bonheur devrait pas mal remonter. On va essayer aussi de dégager plus d'espace d'habitation, peut-être ce serait bien. Il n'y a peut-être pas exactement ce qu'il leur faut ici, donc le marché va prendre cette place-ci. On pourrait dégager cette place-là et voir un peu où les maisons se mettent, agrandir un peu là. Comme ceci. Agrandir un petit peu ici, tant pis s'il y a des arbres qui s'enlèvent. Là, et voir si des maisons viennent s'y mettre. Voilà, on a déjà une maison qui s'est mise ici. Donc ça, ça va nous aider à garder une immigration élevée en ayant un espace résidentiel suffisamment élevé. Aujourd'hui, j'ai très envie d'avancer un petit peu sur le tiers état. On n'a pas débloqué encore grand-chose, encore rien en fait. Donc je vais débloquer la haie et je vais débloquer l'ensemble splendeur pour le manoir et peut-être pour le marché après également. Mais d'abord le manoir, on va travailler dessus aujourd'hui. Avec la haie taillée, le bassin d'eau, la fontaine murale, la bannière murale, la cheminée rustique, la girouette, la tour rustique. On va voir ce que tout ça va nous donner. Mais très certainement, on va placer des nouveaux éléments. Ça va faire monter nos relations avec eux, ce ne sera pas inutile. Nouvelle arrivant. Alors ça, je prends tout de suite. Et on va mettre les gens dans la menuiserie pour rapporter de l'argent. Ici, on va placer des sous-éléments de construction libre. Donc on a la tour rustique, oui, qui est un peu différente de la tour en bois, mais je ne me sens pas le besoin de changer celle-ci pour le moment. On en rajoutera peut-être une autre plus tard. On va placer une fontaine murale qui va me donner 4 ans prestige avec eux, 4 ans splendeur. Ça coûte 2 en entretien, mais je pense que je peux le faire. On va la mettre là, dans le petit passage. Le passage est large, donc c'est pas un problème. Et rajouter peut-être une bannière murale. Ou l'autre. Peut-être dans cette espèce de cour intérieure ou sur le côté ici. Mais comme ça doit être attaché, je dois le faire sur un bâtiment préexistant. Donc on va faire ça. Choisir ceci et le modifier avec la bannière. Voilà, on va mettre une bannière comme ça ou deux, ou là, mais je pense que je préfère la mettre sur un bâtiment un peu plus élevé en taille. Donc je vais en mettre une ici et une là. Près de l'entrée. Ça va nous aider à progresser avec cette faction-là du tiers état. On va attendre la fin de la construction et puis on va s'attaquer au jardin, je pense, quand on aura débloqué les choses nécessaires. Ça bosse sur les drapeaux, ça bosse sur les bannières, sur le... Comment s'appelle ce truc-là? La fontaine murale, on va dire, ouais, c'est ça.
Ça va prendre encore un petit peu de temps parce qu'il y a pas mal de ressources à ramener. Qu'est-ce qu'on a eu? Vos arrivants, super. 1, 2, 3 encore en plus. On fait déjà 6 nouveaux depuis le début de la vidéo, c'est pas mal. Où est-ce qu'on va les mettre? En bâtisseur? Je suis pas sûr d'avoir besoin de plus pour le moment. Mais pour plus tard, ça pourrait être pas mal, je veux quand même les mettre. Ouais, sympa les bannières, c'est bien. Donc on est rang 4 avec le tiers état maintenant. Il fallait le rang 5 pour débloquer le niveau suivant des constructions. J'en aurai besoin, vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Restez bien avec moi. On va peut-être changer un tout petit peu encore l'imposition parce que je trouve que pas besoin que les gens soient si heureux, honnêtement. Je préfère qu'on ait de l'argent. Une famille qui s'agrandit. The Elders. Ah oui, les anciens. Les hommes qui mènent respectés et les femmes à oh là là. Donc ce sont les leaders hommes et femmes parmi les laboureurs, les travailleurs de la région ont entendu parler de votre village et veulent se rendre utiles à votre peuple. Ils ont amené des cadeaux, des outils. Ah ah. 10 outils et 10 en influence avec le tiers état, ça va être très utile. Excellent. C'est fini ou pas? Non, c'est pas fini encore, il faut que l'eau coule. Est-ce qu'on a débloqué des choses avec le tiers état ou pas? Pas encore, je suis rang 4, il faut le rang 5. Peut-être qu'avec la fontaine ce sera bon. Oui, c'est bon. Alors pourquoi faire ça? Parce que pour la construction que je veux faire pour le jardin ici, j'ai envie d'avoir le mur de taverne, qui est plutôt pas mal. On va payer 5 pour le débloquer, et tant qu'on y est, on va payer pour la taxe sur les moulins. Et je vais l'activer. Ligue des marchands, bonus sur les prix de négoce de 10% provenant d'un village avec une allégeance de tiers état. C'est pas ça, mais c'est bien aussi. Je sais plus où je l'ai eu débloqué celle-là, mais on va la prendre. Et la taxe, en fait, ça se débloque dans les impositions en activant simplement l'imposition des moulins à vent. Bon, je n'en ai qu'un pour le moment, mais il va commencer à accumuler l'argent et on va pouvoir également le taxer, ce qui va être très très utile. Bien, alors ce que je vous disais, bon, on n'a pas des masses d'argent, mais on va quand même déjà planifier. Les haies, le mur de taverne. On va faire un joli jardin pour notre manoir. Il va sans doute encore évoluer, mais ce sera déjà pas mal. On va garder ce passage-là qui passe dans le domaine du manoir, parce que pourquoi pas, la populace peut y passer, c'est une route comme une autre, une route communale. Par contre, je veux supprimer celle-là. Je trouve qu'elle est trop pentue, c'est moche, j'ai pas envie. Et j'aimerais bien également enlever ce raccourci pour que le collecteur d'impôts utilise la porte de derrière finalement et qu'on ait ce jardin traversé par une route. Je voudrais vraiment y arriver. Et donc on va faire deux choses. On va mettre d'abord un mur de taverne qui va aller de là. Simplement continuer le mur en fait ici. Hop. Pas trop loin, ça sert à rien. Voilà, tout droit. Super. On va également en mettre un ici. Il va couper cette route-là. Bon, c'était pas absolument nécessaire, mais je vais le faire. Tout ce qui est fait de façon susceptible d'être défait après, si jamais c'est pas chouette. Donc pas trop de panique, hein. Ça sert à rien de paniquer. Au contraire, on va venir jusque là. Ça me paraît bien. Et ensuite, on passe à la haie, parce que si je fais tout un grand mur comme ça, je trouve que c'est trop, trop pesant, trop imposant. Une petite haie, ce sera mieux pour le détour ici. Alors, comment est-ce que ça peut fonctionner? Le jeu permet de faire des haies courbes, ce qui est plutôt cool. Il faut juste qu'on détermine le nombre de points de passage. Alors, le bas de la pente, ça va être là. Donc, on va passer par là. Par ici. Jusque là. Jusqu'au coin du mur. On peut s'accrocher, je pense. Plus ou moins. Ici. Alors comment faire courbe? C'est un peu bizarre. Il faut cliquer sur les deux sections autour d'un point, d'un nœud. Et alors il vous permet de passer en mode courbe. Bon, c'est plutôt... Ça marche très bien une fois qu'on est habitué. Il n'y a pas de problème. C'est juste un peu étrange. Et donc on va faire... Hop! Un beau passage de jardin comme ça avec une courbe. Voilà, comme ceci. Une haie, la haie ensuite, on va la faire repartir par là et rejoindre ici. Donc on aura un point là, un point là et un point là-bas.
À moi de m'arranger pour que ce soit joli. Ah non, non, attendez, parce que là, il faut faire un trou, évidemment. Donc, on aura un point là et un point là. Est-ce que je vais le faire courbe? Oui, on va la faire courbe. Donc, on va rajouter un point avec un mage, je pense. Voilà. Boum. Et cliquer de nouveau de part et d'autre. Et là, on a un truc courbe. Voilà. Après, faut essayer. Je crois qu'on va venir comme ça. Hop. Vous voyez, le truc en pente, tu n'aurais pas eu de maison là de toute manière. On va mettre un beau jardin. Je vais venir un peu plus par là ici. Là, le passage, l'entrée. Ici, ça qui vient longer la haie de la maison. Comme ceci. Peut-être un peu plus comme ceci. Pour que ce soit plus joli. Voilà. Ok. Ça, c'est bien. Ça, ça me plaît. Et puis là, ben, idem. Là, on va faire tout droit. Alors, il y a une autre raison que celle que je vous ai dite d'utiliser les haies quand on est en forte pente. C'est que j'ai essayé le modèle avec les tuiles. Le problème, c'est que les tuiles, elles font alors des gros escaliers. Les tuiles ne s'inclinent pas. Et donc, ça rend un petit peu moins bien. Et je trouve que c'est bien. Comme ça, on va garder le dur dans la partie vraiment principale de la construction. Et pour le reste, on va plutôt faire des petites haies. Le truc intéressant, c'est que ça va complètement enlever ce raccourci-là. Et ce que j'espère, c'est que le collecteur des taxes va plutôt passer par ici. Pour l'instant, ça paraît être le cas, mais j'espère qu'à un moment donné, il va vouloir aller dans une maison là et que ce sera plus court pour lui de passer en plein milieu. Je pourrais essayer de le forcer en mettant des détours supplémentaires. On peut essayer de jouer à ça. Je les enlèverai après. Ça, on verra. Ah non, il sort et il repart. Ah, le pourri. Laine pour le prévôt. Le prévôt cherche à augmenter le stock de vêtements d'une communauté voisine. Un de ses marchands a remarqué votre troupeau de moutons et veut vous faire une offre. Qu'est-ce qu'il veut donc? Il veut 100 en laine et on est à 150. C'est bon ça. Parfait. On va accepter. Et on va l'activer tout de suite. Hop, et on obtient l'influence. Bon, autre idée pour forcer le passage par cette porte-là temporairement. Ça va pas prendre longtemps. On va enlever cette porte-ci très temporairement. Je devrais pouvoir le faire. Si je clique dessus, on est sur la grande salle. Voilà, je prends... Oh, la porte, c'est pas la porte de la grande salle, vraiment ? Si, porte d'entrée rustique. Boum. On la remettra plus tard. Alors, le truc, c'est que tout ce bâtiment est le même, et donc peut-être qu'ils pourront encore utiliser ces portes-ci pour arriver là, ce qui n'est pas logique, mais... Ah, c'est bon. Ok, il y a un chemin qui va se former là, c'est très bien. On va le laisser un petit peu se former, et puis on remettra la porte de l'autre côté. Je vais virer ces bazars-là. On essaie quand même d'être propre. C'est bon. Un nouveau conseil est disponible. Plus de taxation. Ah, je dis oui. Certains villageois pensent que notre trésorerie bénéficierait de nouveaux moyens de taxation. Cependant, ils veulent que vous gardiez à l'esprit que taxer les services ne vous rendra pas très populaire auprès du tiers-état. Taxons les moulins avant. Ben, j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Ah, et je dois produire de la farine. Ah oui, donc sans production de farine, ça ne marchera pas. Mais on va arriver justement à une récolte, donc ça tombe vraiment bien. Oui, les gens vont être un petit peu moins contents, mais comme j'avais baissé les taxes normales, d'un autre côté, on va récupérer ça, c'est quand même bien. Je pourrais les remonter un petit peu, on a 68%, mais regardez, on n'a plus d'immigration pour le moment. J'ai récupéré des gens sans leur donner de boulot, donc c'est ça qui cause le problème. On va leur trouver du boulot, ça, il n'y a pas de problème. Ok, on va commencer à travailler un peu sur la nourriture parce que vraiment, j'ai peur d'en manquer. Donc, prenons un petit peu d'avance. Je vais essayer d'avoir une économie très forte pour faire des gros projets de construction. Mais pour ça, il faut qu'on soit quand même vraiment balèze. Et qu'on ait beaucoup de gens, je veux dire aussi. Donc, il faut les nourrir, ces gens-là.
On va mettre une cabane de pêcheurs là parce qu'il y a de la nourriture ici, je sais pas. Oh, elle sera hors de portée malheureusement. Et là sans doute aussi. On peut essayer pour voir s'ils peuvent se nourrir là-bas, sinon on l'achètera à l'endroit. On pourra se le permettre, c'est pas trop un souci. Oui, ça c'est bon. Ça me fera une route supplémentaire ici pour un petit peu structurer la ville. Et puis je pense qu'on devrait, sans doute, parce que régulièrement mes baies arrivent vraiment à leur limite. Des fois c'est vide ici, c'est très rare, mais ça arrive. On pourrait acheter ici la zone pour obtenir de la nourriture supplémentaire. Là il n'y a rien, là il n'y a rien, là il y a ceci. Il y a de la pierre et des baies, donc je pense que ce serait une bonne chose. Il n'y a pas vraiment l'équivalent plus près. Donc je crois que ce serait quand même bien, histoire qu'ils ne crèvent pas de faim les paysans, d'acheter ce terrain. Après c'est 15 pièces en plus d'entretien par semaine, mais je crois que ça vaut la peine. Je crois qu'on les vend en plus les baies, donc l'un dans l'autre, ça fera peut-être encore plus d'argent au final. Et on les vend une unité pièce, qui est pas grand chose, mais... mais voilà. On va aller chercher ça là-bas. Voilà, on va pas en faire trop pour le moment. Hop, juste une. Mettre les gens au travail. Il me reste 5 personnes qui font rien. C'est bon, la taxe des moulins s'est pris en compte. On pourrait essayer de faire plus de vêtements pour consommer un peu plus la laine, parce que je vois que la laine, on l'entrepose trop. Donc 2 tisserands au lieu de 1 me paraît utile. Après, il faut voir les vêtements, comment ça va suivre. On en a beaucoup trop, on ne peut pas les vendre malheureusement, personne ne veut les acheter, on ne les consomme pas des masses non plus. Ça pourrait être pas mal ici, je pense, d'augmenter tout doucement la population plus avancée. On va donc passer aux promotions. Alors, les boulangers et boulangères, je pense que ça pourrait être bien de les passer au moins au niveau roturier. Hein. C'est pas dessert. Collecteur d'impôts, certainement. Les menuisiers, je crois que ça pourrait être bien. De les passer au niveau 2. Le tailleur de pierre, oui. Le tisserand, certainement. Après, j'ai plus masse de pognon, mais on pourrait commencer les menuisiers éventuellement, ou je les garde pour une fois. Le marchand. En attendant que l'argent remonte, mais il va remonter vite logiquement, on peut débloquer ceci, ça coûte 10 en influence, on a 10. L'entretien des bâtiments de tiers état est réduit de 10%, honnêtement pourquoi s'en priver, on va le prendre. C'est un privilège, donc je vais enlever celui-là. Ah, il faut revoir le privilège pour le changer, d'accord. On va le faire. Revoir un privilège, ah mais ça coûte de... ouais. Ça coûte un peu cher, on va plutôt attendre de débloquer un autre. Sinon c'est un peu dommage. On fait ça pour gagner de l'argent et ça va nous coûter de l'argent en grande quantité, donc j'ai pas envie. Allez Berchtold, t'as été trop lent. La cabane de récolte est finie en premier et je vais la mettre au max. On peut vendre, alors on peut vendre les baies mais on vend également le poisson. Hein. Donc ces deux bâtiments on va les remplir de toute manière. Il faut être en surproduction, ça sert à rien d'être en sous-production. Au contraire, là, évidemment, c'est grave que les gens vont mourir de faim au bout d'un moment, mais là, non, on produit plus et on vend le surplus de toute manière, donc il n'y a pas d'inquiétude, c'est utile. Je suis content d'avoir laissé des petits patchs, regardez, des petits patchs sans bleu, de manière à ce qu'ils laissent des arbres, et sans doute on ne va pas les couper, on va les garder pour avoir des décorations un peu différentes dans la ville. Je vais laisser un petit patch également là. Chef d'œuvre de la sculpture de Fontaine, votre gestion hautement maîtrisée du stock de nourriture, merci, ça fait plaisir, lors du mauvais temps a inspiré certains de vos villageois, ils souhaitent construire un chef d'œuvre de la sculpture de Fontaine afin d'honorer cette occasion. Effet bonus optionnel, l'élément coût d'entretien du bâtiment est diminué de 50%. Condition de construction, tous les éléments sont au-dessus des constructions proches. Ok, je pense qu'il y a une zone d'effet pour cette statue dans un bâtiment spécial, genre le monastère ou autre, et que ça va diminuer le coût d'entretien de tous les sous-bâtiments compris dans la zone d'effet de 50%, je pense. Bien. Et ça veut dire que le mauvais temps est terminé. Oh, pas trop tôt, hein. Un peu de ciel bleu, un peu plus de clarté, c'est mieux. Alors pour fêter ça, on va aménager un peu le jardin ici. On va aller là. On va rajouter construction libre.
Et on va mettre... Alors voilà tout ce qu'on a débloqué de nouveau. On a mis la fontaine, on a mis les bannières murales. On va mettre des haies taillées pour marquer peut-être le chemin. Ça pourrait être bien. Ça coûte combien? Ça coûte 25 pièces? Oui, c'est cher. On va pas en mettre trop. Je vais en mettre, je pense, juste 4. 2 ici au début. Enfin, juste 4, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, 2 ici et 2 un peu plus haut. Marquer un petit peu le chemin. Peut-être plus tard, j'en remettrai 2. Un là, et ce sera beaucoup plus joli. Ce sera impec. Et tailler ronde. Une petite bouboule comme ça qui décore. Bon, pourquoi pas. Je vais en mettre une là. On a des étaillés carrés. Bon là j'ai déjà mis un peu de trop par rapport à l'argent que j'ai. On va commencer par les arbustes taillés qui sont les plus jolis je trouve. On a les cheminées rustiques. Ça je peux en ajouter. Ça se met sur une sous-partie particulière. Hein, donc on va construire ça déjà et on va regarder si on peut mettre une cheminée rustique, peut-être derrière ici, ça pourrait être pas mal. Là. Ok, on le prend. On rajoute ça ici. Oui, voilà, ça va faire un peu de fumée. Ce sera bien. Un petit ajout comme ça, n'oublions pas que ça coûte de l'entretien. Faut pas que je sois trop dingo avec ça. Je trouve ça cool dans le jeu que les décorations, bah c'est pas gratos, quoi, hein. Ça coûte quand même assez cher. Mais ça donne également d'autres choses que de la décoration, ça donne de la progression avec les différentes factions, je trouve ça bien. Le truc qui est gratuit, c'est vraiment tout ce qui est haies et barricades, etc. Parce que j'imagine que ça peut être très long. Et donc les développeurs n'ont pas voulu que ce soit un frein à la décoration, que ça coûte des choses. Bon, c'est un choix. Voilà ce que je vous disais, hein. Aucune ressource à extraire de temps en temps avec trois cabanes de récolte, c'est un petit peu de trop. Mais c'est pas tout le temps, donc pour l'instant je vais laisser comme ça, on verra comment ça va se passer. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire un petit peu plus de blé. Alors la taille de champ ne peut pas être beaucoup plus grande que ça, en fait au bout d'un moment ils n'ont pas le temps de semer tout si c'est plus grand, donc il faut plutôt une deuxième ferme si je veux produire plus, et c'est ce qu'on va faire. On va mettre une deuxième ferme ici, faire un petit hameau de ferme. Tranquillement. Pas tellement loin du moulin, on fera peut-être un deuxième moulin s'il y a besoin. Je veux produire un peu plus de blé pour avoir du pain. En plus, on le vend. Et donc, c'est bien. Ok, le petit jardin avance pas mal. C'est bien. Est-ce que je vais mettre autre chose pour le moment? Non, le voilà qui sort de chez lui, tout fier. Une bonne journée de travail qui s'annonce, plein de sacs d'or. Hop, on va dire bonjour aux gens. Ils sont contents de me voir arriver, j'en suis sûr. Hop là. Donc aujourd'hui, on se dédie pas mal aux tiers états. Pourquoi pas continuer? On va travailler sur le marché. Des nouvelles tentes, des clôtures, des bancs, des tonneaux. Pour agrandir un petit peu le marché. Alors les tentes, comment ça va marcher? Prenons la première qu'on avait fait, la B. Les B. Alors on peut prendre le sous-bâtiment étal. Ça, c'est l'étal. Il y a les décorations. État de nourriture, de marchandises, les tonneaux, les bancs, la clôture. Voilà, ici, tente rouge, tente bleue, tente verte. Ça donne toute la même chose, j'imagine. 2 en splendeur au lieu de 0 pour la tente normale. Ajoute 20 à la capacité de partie de bâtiment rattaché. Ça, c'est pareil. Il y a un coût d'entretien de 1 au lieu de 0. Alors, je ne sais pas trop. Est-ce que je dois détruire le précédent? Probablement. Ou alors, je dois construire dessus. Je ne suis pas trop sûr. De marché, modifier le bâtiment. Alors j'ai fait modifier et là il se met pas. Donc ça n'a pas trop l'air d'être ça. Il va sans doute falloir remplacer la tente blanche. Je vais la détruire. Même pas peur. Créer un sous-bâtiment libre alors du coup. Hein. Non, libre, ça n'a pas d'effet. Faut pas que je fasse ça, pardon. Hop, on recommence. Créer un sous-bâtiment. Étal de marché.
Voilà, alors pour la rouge, les baies rouges, allez, hop, pourquoi pas. Pour tout ce qui est déco normal, je vais utiliser une construction libre. Voilà, on va améliorer un petit peu les choses, mais attention également au coût d'entretien. Donc je ne vais pas trop exagérer, je vais laisser une blanche. Là par exemple, là on va détruire, non pas l'étal, attention. Attention. Mais l'enseigne, attendez. L'enseigne non plus. Tiens, où est le... Ah, la tente blanche, voilà, elle est là. Hop. Je la détruis. Et on va mettre une tente. Qu'est-ce qu'on vend là? Je sais plus, mais on va mettre la bleue. Voilà, là je vais laisser une blanche pour le moment. Après on fera d'autres avec la verte, etc. Hein, de toute façon. On va faire un petit peu un pourtour. En testant. Hop. Libre. La clôture. Alors attention, coût d'entretien 1 quand même. Hein. Ouh là là. 1 pour chaque petit morceau, c'est quand même un peu raide, je trouve, mais bon. Faut pas que j'exagère de trop, quoi. Hein. Mais là, j'ai envie de faire un coin qui délimite. Donc on va le faire. En mettant une. Deux. Trois. Puis là, on va arriver sur le côté. Je vais essayer de m'en tirer avec deux. Peut-être si j'y arrive, ce serait bien. Une. Deux. C'est déjà pas mal, c'est pas mal. Comme ça, ici, je vais mettre des petits tonneaux et tout ça, vous voyez, des petits stockages. Le tonneau, c'est un en frais d'entretien de nouveau, un en splendeur, d'accord, on va pas en mettre de trop. On rajoutera au fur et à mesure. Voilà, j'en mets un. Et les bancs. Alors, les bancs, on va les mettre un peu dans la longueur, comme ceci. Et encore une fois, alors attention que tout ça coûte cher. Un peu trop cher. Alors, je peux le mettre celui-là. On va mettre celui-là, pour l'instant. Un petit banc. Comme ça, on a mis un petit peu de tout. Nouvelle quête. Marché grandiose. Je sais pas, on dirait que le jeu me surveille. Les aînés estiment que le village est presque prêt à accueillir une foire commerciale. Cependant, ils sont gênés de recevoir des visiteurs avec un tel marché. Il est piteux. Ils aimeraient que vous amélioriez son apparence. Quelques tentes colorées ne feraient pas de mal aux affaires, n'est-ce pas? Construire l'étal de marché, atteindre 5 de splendeur tiers état avec marché, ça va être très facile d'y arriver. Je vais construire un nouvel étal. Hein. Ah bah c'est déjà bon en fait. Ok. Alors on va pas faire un nouvel étal d'avance parce que ça coûte cher. Faut pas que j'oublie d'enlever ceci parce que ça ils aiment pas trop dans les maisons. Hein. Ouais je vais l'enlever. Il y a quelques ressources dedans mais on s'en tape. Ça, ça va faire un petit peu du bien. Je récupère également des travailleurs. Mm-hmm. Ben on va les mettre de toute façon dans la nouvelle ferme. Définir un nouveau champ. On va se mettre là dans le... sur le côté. Alors on va améliorer un petit peu les coins. Que ce soit un petit peu plus droit. Après il faut qu'ils arrivent encore à tout planter, hein, ce qui n'est pas gagné. J'avais laissé un espace pour garder les arbres, mais tant pis, on va les couper. On en gardera plus loin. Voilà. Ok, il faudra surveiller. Alors, ils ont mis en non favori les ressources qui sont des ressources intermédiaires. C'est plutôt bien vu. Bon, faut quand même éventuellement les surveiller. Je vais les laisser ouvert un petit peu. Donc, c'est le blé et la farine pour le moment. Pour mes finances, on va jeter un petit coup d'œil parce que j'ai regardé le log en fait ici pour voir un peu ce qui se passait et j'ai vu, oula, niveau renommé pour le tiers état. On a bien avancé sur, le, sur les roturiers, les gens du peuple, c'est très très bien. Vous voyez, Northbury a vendu du tissu en laine. Franchement, ça sert à rien que j'en achète maintenant, je préfère garder mon argent. Donc tissu en laine, acheter, non, plutôt vendre si on a trop. Mais bon, là on n'a pas trop apparemment donc...
va mettre plutôt en vente si jamais vraiment on en a un stock. Si ça monte trop, je veux dire, genre à 50, là, on peut les vendre. La laine, j'ai mis également acheter. Je sais pas pourquoi ça sert à rien. On en a de toute façon trop. Objets usuels, on les produit pas. Les planches, on les vend, c'est bien. Le bois, bah, en fait, de toute façon, vendre, mettre, ça sert à rien. Il y en a personne qui les achète, donc bon. Outils, j'en ai besoin, je les produis pas. On va d'ailleurs essayer de se pencher là-dessus. Peut-être au prochain épisode pour gagner plus d'argent. Éviter de devoir les acheter à chaque fois, c'est mieux. Alors, on a eu quoi avec le niveau suivant? Il y aura peut-être des choses intéressantes tout de suite. On a eu éléments, chaque tiroir en pierre pour le manoir. Salle en pierre, passage en pierre, tour rond, porte de pierre, terrasse en pierre, etc., etc. Alors, je peux débloquer avec de l'influence. Ça veut dire que ça va être gratos. En plus, ça remonte toujours à 10, donc il n'y a pas de problème. Je pourrais débloquer tout de suite. Cuisine de taverne. D'accord, pour la taverne. La taxe sur les mines, on n'a pas encore de mines. Les privilèges de taxation supplémentaires. On peut avoir un impôt concomitant supplémentaire sans pénalité, d'accord. Privilège, village fortifié. La pénalité sur le rang de non-exclusivité entre tiers, état et noblesse est diminuée de 50%. Alors c'est quoi ça? Ça veut dire que quand vous augmentez votre rang avec une des factions, c'est plus dur d'augmenter le rang avec les autres. Il y a un malus négatif. Et ça, il y a différentes choses comme ça qui permettent d'annuler. On les prendra sans doute. Et pour l'instant, on va débloquer encore des éléments pour le manoir. Parce que pourquoi pas? Parce que pourquoi pas? Ce qu'on a débloqué, c'est des nouveaux éléments avec un style architectural un petit peu différent. Donc je vais pas modifier ce que j'ai déjà fait, on va regarder comme ça. On fera peut-être un autre manoir plus tard, tout simplement dans un autre style. Ah ouais, carrément, avec des... ça peut être pas mal. Mais on verra après. Rien qui me permette de faire vraiment un passage ici avec une voûte au-dessus. Ça n'existe peut-être pas dans le jeu. On va chercher quoi faire, j'aurais très bien envie d'aller vers les mines. Et donc peut-être ce qu'on pourrait commencer par faire, c'est sélectionner un mandat de gisement de minerai. Voilà, on va les prendre un par un. Ça coûte 50, il va partir à aller inspecter un des minerais, celui-là ou un autre. On verra. Et ce qu'on va faire, c'est regarder également les gens. Qu'est-ce qu'on a comme problème ? On a le cueilleur, impossible de trouver une maison assez proche du lieu de travail, ce qui peut être un peu embêtant pour ceux qui vont travailler là. On pourrait faire un nouveau hameau. Soit je fais un petit hameau ici, soit je fais la maison un peu quelque part entre les deux dans la zone de travail. Ça pourrait être pas une mauvaise idée de faire quelques maisons quand même ici. Je pense, honnêtement. Après, il faut voir l'attractivité des lieux. Elle est très mauvaise. Donc ça, on va vraiment garder une zone de travail. Et on peut peut-être ici un peu plus haut... près du bois, ici, faire quelques maisons. Ça, je pense que ça pourrait être bien. Comme d'hab, si ça plaît pas, on peut de toute façon recommencer plus tard. Mais là, juste à gauche du chemin, on peut prévoir une petite zone. Pas trop grande, parce que j'aimerais bien ici faire un poste de garde. Parce que j'ai pas fait un peu trop grand. Si, c'est trop grand. Tu dégages. Tu dégages. Ok, bon. On aura le passage là pour faire le poste de garde, ce sera quand même très bien. Comme ça, il y aura au moins une maison pas loin de là-bas, ce sera mieux. Là également, il y a une carrière qu'on va sans doute utiliser plus tard, donc ok. Un petit coup d'œil général, c'est pas mal. C'est bien comme ça. Les autres soucis ici, c'est qu'ils sont bûcherons et j'avais détruit le poste de bûcheronnage, mais... Ils seront réattribués dès qu'on refera autre chose du genre. Je pense qu'il n'y a pas tellement de problèmes en réalité. On a encore du bois à couper, il est désigné, donc honnêtement ça va, ils ont encore du boulot. Les bûcherons, mais plus tant que ça non plus. Je vais désigner tout ceci et laisser peut-être encore un petit trou. Laisser un petit peu de forêt. Voilà, ok. La forêt future qu'on va exploiter, elle va sans doute être là. Je pense que je vais mettre de quoi semer ici, de quoi planter, et des postes de bûcheron permanents de ce côté-ci. Pas trop loin de l'endroit où on utilise le bois. On va pas oublier de remettre une entrée dans la grande salle. Ça pourrait être une entrée un peu surélevée. Non. Comme ça, non, il vaut mieux qu'elle ressorte finalement. Je vais la remettre comme avant, je pense. Honnêtement, elle était pas mal là. Petite entrée de côté, comme ça. Voilà.
Logement insuffisant. Un villageois manque d'espace pour installer son logement. Intéressant. C'est elle, bah justement, elle cherchait un endroit plus proche, elle ne peut pas se mettre là. Ok. On va agrandir un petit peu ici sur la gauche. Un niveau animé dans la voie commune. Très bien. Très très bien. Ça me débloque ce niveau-là. Mais moi je suis encore là, donc il faut que je vois un petit peu ce qui m'intéresse le plus. Édit de matériaux robustes, entretien des parties de bâtiments, production diminuée de 50%, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse même carrément beaucoup. Ça coûte 200 à débloquer, il faut voir si je peux le mettre maintenant. Oh, j'en ai un en plus, oui. Alors ça, on va le faire. Ça va nous faire faire des économies. Et j'ai oublié la girouette qu'on a débloquée sur la grande salle, on va la mettre sur la tour. Voilà. Alors il est où Baldrich? Il est où Baldrich? Est-ce qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant? Comment savoir où il est? Il est là? Ah, c'est un commerçant. Ok. Il est là, oui il est là. Il est en train d'évaluer la situation. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Si c'est du fer, c'est très bien. Le charbon, on peut le faire à partir du bois, donc pas besoin d'avoir une mine de charbon tout de suite, mais le fer, ce serait vraiment bien. Il travaille, d'accord, mais... Qu'est-ce qu'il va trouver? On va essayer de faire des maisons de ce côté-là également, pour que la dame puisse trouver un endroit qui lui plaise pour construire. Il a fini, là, ou pas? Mais toujours pas, mais qu'est-ce qu'il fiche? Il est d'une lenteur? En s'améliorant avec le tiers état, on a débloqué un privilège en plus excellent, donc ça va être les 10% d'entretien au moins pour les bâtiments tiers état, et j'en ai fait pas mal ici. Hein. Il y a le manoir, il y a le marché qu'on a beaucoup amélioré, donc on va, après on arrêtera un petit peu sur le tiers état, et peut-être qu'on commencera à travailler un petit peu sur la noblesse pour quand même faire monter un petit peu ça. Et puis évidemment, évidemment, on va se préparer pour le coup du spectacle tout doucement, qui est le monastère qu'on va essayer de faire énorme. Il ne faudra pas non plus s'y prendre trop tard. On va faire un petit peu le point sur l'économique. Budget. Alors le mois précédent, on a gagné 500 de taxes, ce qui est pas mal, parce qu'on a des taxes pas si élevées que ça, les gens sont à, disons, 7 dixièmes comptant. Le commerce, 701. Bon, les baies, ça rapporte rien. Le pain, pas mal. Les vêtements ordinaires. Oh, on vend des vêtements ordinaires finalement, mais attendez. Attendez. Ah, mais je pense que c'est la vente au marché. Je crois que c'est la vente au marché. Les planches, 331. 331, c'est énorme. C'est vraiment bien. Avec des dépenses... Voilà, on avait gagné 345, mais dans les dépenses, il y a les dépenses spéciales, genre la construction, 200, achat de territoire... Non, entretien de territoire, pardon, mais en tout cas les constructions, 200. Bon, je n'ai pas construit tant que ça. Mais ça va, on gagne de l'argent. On va faire un puits supplémentaire quand même pour alimenter les gens de ce côté-ci. Pourquoi pas ici? Ça me paraît bien. Ça y est, ça y est. Sonnez tambour et tocsin. Votre bailli a découvert un truc. C'est quoi, du fer? Un gisement de fer. Peut-être extrait en construisant une carrière dessus. Excellent. Ce qui veut dire qu'on devrait acheter ce territoire-là, mais il n'y a pas de problème, j'ai de l'argent d'avance. On a 500 maintenant pour entamer des projets d'exploitation du fer et produire nos outils. Et on a quand même également bien avancé le village. Prochaine vidéo, deux objectifs. Exploiter le fer, fabriquer nos outils. Ça, c'est le côté économique. Et puis le côté déco, faction. Avancer soit sur le clergé où je suis à moins 8, soit avec la noblesse où je suis à moins 17. Et je crois que la priorité sera également de toujours prendre ce genre de choses avec les colombes parce que ça permettra d'annuler un petit peu des pénalités de non-exclusivité entre tiers-état et clergé et noblesse. Donc dès qu'on aura l'influence nécessaire, on prendra ces trucs-là. Il faut rechercher ces icônes, il doit y en avoir également ailleurs. J'espère. Là, ça devrait également nous aider. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera bientôt pour la suite des constructions. Salut tout le monde !